know, but the fact that we'll allow few select people to own one makes it even more special. It's the ultimate toy. Yeah. Mais heureusement, enfin, il y a un moment privilégié, puisque ces ouvertures temporelles, c'est en permanence, hein, c'est à chaque instant, dans toutes les secondes qui s'écoulent ici, et un moment quand même privilégié pour, j'allais dire, corriger ces potentiels qu'on a pu développer, qui ne sont pas de bons potentiels. Et ce moment particulier, c'est la nuit, et la nuit, il se passe des choses intéressantes. En particulier, votre théorie vient éclairer beaucoup d'inconnus au sujet du sommeil paradoxal. C'est-à-dire que nous sommes une machine à fabriquer du potentiel dans la journée. Si vous ne fabriquez pas un potentiel qui est fait pour vous, alors quand vous vous branchez sur ce potentiel, vous risquez d'être explosé, d'être électrocuté ou foudroyé, et vous accusez le hasard, la prédestination, un dieu, un diable. Non, vous-même. Simplement vous-même. Vous avez fabriqué ce que vous actualisez. Alors évidemment, des fois, on actualise un potentiel qui a été créé par quelqu'un d'autre et qui n'est pas fait pour soi. En prenant l'écho des autres, on se trompe. Or, dans l'ignorance du principe du dédoublement, on peut dire que nous vivons tous en utilisant un potentiel que nous n'avons pas fabriqué, mais qui est fabriqué par la collectivité, et que ces collectivités ne pensent pas forcément à nous faire survivre. Nous seuls sommes capables de survivre par nous-mêmes à une condition, c'est de faire intervenir celui qui nous dédouble dans le passé. On est là pour piloter des corps contrôlés à distance qu'on appelle des avatars. Ils sont créés à partir d'ADN humain, mélangé à celui des indigènes. Un marine dans un corps d'avatar, c'est un mélange puissant. Si vous me fournissez ce que j'attends, je veillerai à ce qu'on vous rende vos jambes, vos vraies jambes. Alors c'est d'accord. Il te ressemble. C'est ton avatar maintenant, Jay. Détendez-vous et ne pensez à rien. Ça ne devrait pas être trop dur pour vous. C'est très simple. Je veux que vous appreniez à connaître ces sauvages de l'intérieur et que vous gagniez leur confiance. Tu ne devrais pas être là. Repars. Tout ça est ta faute. Aide-moi. Génial. Vous êtes égaré en chemin. Vous oubliez dans quel camp vous êtes. Le fort dévore le faible, et tout le monde laisse faire. Vous avez une heure. Tu savais ce qui allait arriver. Mais tout a changé. Ici, c'est la folie. Quaritch a lancé l'opération, rien ne l'arrêtera. On va affronter des hélicos de combat avec des arcs et des flèches. Alors il faut l'en empêcher. Ils ont envoyé un message. Disons qu'ils peuvent prendre tout ce qu'ils convoitent. Nous allons leur répondre que ce monde est notre terre à nous. Nous pensons quelque chose, immédiatement la conséquence est faite, puisque ça se passe dans un temps imperceptible.
Cette conséquence, elle peut être bonne, elle peut être mauvaise, ça dépend de notre pensée. Et si nous avons fabriqué quelque chose qui n'est pas fait pour nous, qui est dangereux, nous risquons de vivre quelque chose de dangereux. Mais pire que ça, c'est que n'importe qui peut actualiser le potentiel que nous avons créé. Et si nous avons créé un mauvais potentiel, nous devons être responsables du déséquilibre de la personne qui actualise ce potentiel. Alors soyons concrets, je pense à tuer quelqu'un. Pourquoi ? Parce qu'il m'énerve. Je sais bien que je ne vais pas le tuer, mais j'ai pensé à le tuer. La conséquence est déjà là. Et à des milliers de kilomètres de là, quelqu'un pense comme moi, ouvre la porte de ce même potentiel, et lui, il tue réellement parce que j'ai fabriqué ce potentiel. Je suis donc co-responsable de ce meurtre. Vous voyez que notre responsabilité va très loin. Évidemment, il n'y a pas que le meurtre, mais enfin, il y a énormément de pensées qui sont des pensées qui vont dans la violence et l'agression, et je suis donc responsable par ma pensée de la violence et de l'agression des gens qui le mettent en application dans leur quotidien. Et moi qui me crois bien tranquille devant la télé en regardant toutes les mauvaises nouvelles, je ne vois pas ma responsabilité dans tout ce fatras de mauvaises nouvelles. Alors que j'ai peut-être créé un potentiel qui a été actualisé par tous ceux qui fabriquent ces mauvaises nouvelles. Donc ça met quand même un accent, aigu, sur la responsabilité que nous avons de nos pensées.